5. C'est le nombre de personnes qui composent ma famille. En 4, je peux me plier. Pour eux, j'évite de partir en vrille. 3, des membres à qui je dois un respect absolu. Mon père, ma mère et ma grande sœur. Même si parfois, entre elle et moi, c'est parfois tendu. 2 fils, voilà ce que mon père et ma mère ont eu. Et 1 fille, voilà ce que nous tous, on constitue. 1 famille. Des fois, je me comporte mal, mais j'essaye de préserver les valeurs morales que mes parents m'ont inculquées. Parce que je sais que sans lui, tout irait mal. Lui, c'est le mot respect. Et envers tout être, quel qu'il soit, il se doit d'être total. Donc, puissant, puissant. Je vais vous demander de ne pas être timide ce soir. Et je veux tous avoir la main en l'air comme moi. Et on va tous faire ensemble le compte à rebours. Tous ensemble. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas la main levée. Ne soyez pas timide. Ce soir, c'est la soirée totale respect. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Stigan question, Stigan question. Il donne ma non, 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 c'est pour ça. Non, 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 qu'est-ce que tu dis? Un peu de sérieux, un peu de sérieux. Non, c'est un spectacle sérieux. On va l'intro, elle est trop sérieuse. C'est sérieux. Il y a un faux spectacle, comment tu nous joues?
Vous connaissez ce gars? Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce son là? Ceux qui saignent. J'ai fait des trucs sales, mais je ne crie pas sur tous les toits. Ma mère, je la dépasse seule depuis que le ciel m'a dit je suis sous les toits. J'opère en solo pour éviter qu'un jour je prie trop. Que par jalousie, traite de salon. Plus t'y piche que je suis dans ce truc. J'ai plié des intrus, vu passer des intrus. Des rappeurs niqués entre eux. Lunatique, NTM ou Afrodja. Je critique pas, je trouve ça dommage. C'est à l'image de ce que beaucoup de gens s'imaginent. Pour des magazines auxquels s'associe mon prix. Voilà ce qui m'a freiné pendant toutes les années. J'ai semé mes graines, aujourd'hui j'ai récolté. J'avance comme un escargot pour laisser mes traces. Les yeux s'écarquillent quand je dis que ma coquille me sert de carapace. Au carapace de Moa, je suis un rat. Mon aura s'en bat les reins, dépasse de loin leur karma. Écoute ce que tu sais, tandis que la vie c'est pas. Check à nos trous, certains avancent la tête haute, d'autres avec la frousse, ça froisse l'ego. Mais le but n'est pas de se tourner les coudes. On passe tous du rire aux larmes, en interrogeant, parfois on prend notre drame, sans même un remords. Selon la rumeur, les jeunes sont pour qu'à foutre la merde. Si c'est le cas, assume le fait que la vie t'assomme. École, ce que tu sais, tandis que la vie c'est pas. Ceux qui sait, c'est pas la qu'aimerait éviter le passé. Ceux qui sait, comment différencier ceux qui tapent de ceux qui se plaignent. La mort reprend ce que la vie nous enseigne. École, ce que tu sais, tandis que la vie c'est pas. C'est pas là qu'aimerait éviter de passer. Ceux qui sait. Comment différencier ceux qui tapent de ceux qui se mettent à mort en trop. Ce que la vie nous enseigne, cochon. Récolte ce que tu sais. Pendant que tu blesses ceux qui t'aiment. C'est le coin de nerf, bébé. J'ai ce besoin de remettre les choses au clair, pour ça tu me connais. Mes nuits sont un calvaire, moi j'ai que ça pour me calmer. Les somnifères j'ai essayé, sur moi aucun effet. Elle sait tout ce que je voulais, pourtant je dois l'effacer. Le fossé qui nous sépare de cesse de s'élargir. Mes yeux rougir, alors comment réagir? Souvent à l'origine de mes baisses de régime. T'imagines que depuis tout ce temps elle est là, dans ma poitrine. Tiens, t'entends le bruit que ça fait, c'est offert, mon cœur est marqué, je lui ai offert. Toi-même tu sais que pour elle, moi j'aurais tout fait. Pour cet amour que j'ai dans le sang, qui ne fait que m'étouffer. Toi-même tu sais que j'ai taffé, des mois durant pour qu'au final je puisse avoir mon trophée. Elle a porté par une fée, mais le mot fin vient ponctuer cette belle histoire d'elle. J'ai encore faim, je replonge seul dans le noir. Y'en a qui la connaissent? Je suis tombé sur un type dont l'histoire m'a particulièrement touché. Alors j'aimerais la partager avec vous qui m'écoutez, parce que ça aurait très bien pu vous arriver. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cet homme au grand cœur, à qui la vie n'a laissé entrevoir que peine et rancœur. À la recherche de l'amour avec des rêves plein la tête. La saison sèche, elle l'empêche de vivre son conte de fées. En fait, pour comprendre sa tristesse, retour en février 99, première fois où ses yeux ont brillé. Elle
s'appelait Marilyn. Et avec elle, ils s'imaginent fonder un foyer, c'est divine, comment l'oublier. La rencontre s'est faite sur simple regard échangé, deux étrangers réunis, ce jour en vierge. Ça, c'est un titre extrait de mon deuxième album actuellement en préparation. C'est pour tous les mauvais garçons qui parlent mal à leur femme, qui maltraitent leur femme. Et voilà. Permettez-moi d'être cru, au risque de choquer ceux qui ont cru que je n'étais bon qu'à être mélancolique sur instru. Des intrus, trop parmi nous, de ceux qui frappent leur femme au du trou, accro au minou. Viens, le mal parle mal. Permettez-moi d'être cru, au risque de choquer ceux qui ont cru que je n'étais bon qu'à être mélancolique sur instru. Des intrus, trop parmi nous, de ceux qui frappent leur femme au du trou, accro au minou. Ça joue les durs face à la jante féminine, ça fait mine de rien, devant un homme devient victime. De ville qui correspond à cette description, on appelle ça des lâches, ils se reconnaîtront. Comment peux-tu lever la main sur ta mère et prétendre être un fils digne, tu l'es, mais de Lucifer, ta maison l'enfer. Papa sera fier de toi quand il retournera, parce qu'ici, on veut pas de toi. Certains militent pour ni pute ni soumise, mon but, faire qu'on se mobilise pour avoir une emprise sur ceux comme toi qui m'écoutent, toi qui me dégoûtes, aucun doute au coup. Tu paieras coûte que coûte, viens. Apprendre le mal par le mal, viens. Après ça, on verra si tu parles mal. Merci. Est-ce qu'il y a des étrangers parmi vous? Il n'y a que des Français? Moi, je suis étranger, je viens du Centrafrique. J'ai écrit ce morceau pour expliquer le truc. On parle d'immigration, comme des oiseaux en pleine migration. Beaucoup s'envolent de leur pays et prient pour que leur intégration ne soit pas vue comme un phénomène qui tue les populations en place. Ces genres de choses auxquelles on s'habitue. Hélas, nous on est là et on n'a rien demandé. On nous a désolé pour qu'on puisse vivre les rêves de nos aînés. Désolé, mais faut que vous sachiez que c'est pas par choix. Et si par malheur on échoue, nos familles on sera peut-être déchus. Déçus seront nos parents qui en ont toujours cru. Donc pour y arriver, faudra qu'on suive. Bien entendu, penses-tu? C'est pour cette raison qu'on a été conçus, se fondant dans la masse, afin du droit. Certains de nous voient plus, mais plus le temps passe, plus les mentalités changent. Et plus les gens passent, les frontières plus ça dérange. Pour ça, faut qu'on s'arrange pour être complètement intègre. Qu'on nous voit plus comme étrangers français, arabes ou nègres. Dans chaque être, il y a du bon et du mauvais. Et ce, qu'on soit étranger ou français. Douce France, cher pays de mon enfance, je t'écris ces quelques mots pour te décrire ce que je pense. Les années passent, plus de 20 piges que je vis sur tes terres. J'ai toujours des hantises, j'aimerais que tu me dises commentaire. Les mauvaises langues qui jugent mes frères, qui pour certains font l'effort. Même si parfois font l'affaire, on leur dit que leur teint est trop fort. Alors que faire? Que faire? Fuir ou faire face? Rester de marbre ou de glace? Mettons un peu à leur place. Dire que la France est une gaffe? Non. C'est grâce à elle que certains s'éveillent, alors que d'autres sommeillent. N'est-elle peuplée que de sale race? Non. Mais grâce à elle, les valeurs s'en mêlent et les voisins se surveillent. Liberté, égalité et fraternité sont censés représenter respect d'autrui, unité. J'ai disserté, consterné, une copie unique à noter. Parce qu'à mes yeux utopiques, une devise c'est juste une idée. Certains jugent en s'appuyant sur des préjugés. Et malheureusement, beaucoup de mes frères en sont le sujet. Alors dites-moi comment gérer ce rejet. Si ce n'est en exprimant sa rage. Hé hey Richard, c'est du prix, vous dormez ou quoi? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je voudrais parler un peu de mon parcours. Il y en a qui doivent se demander pourquoi cochon, comment est-ce que j'ose porter un nom comme ça. C'est parti d'un délire et l'expliquer, je pense que ça fausserait le truc. Par contre, J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, j'ai voyagé dans pas mal de régions de la France et j'ai été amené à croiser des gens plus ou moins différents les uns des autres. Et je me rends compte que dans le milieu artistique, c'est là où c'est le plus compliqué. Les gens sont un peu, on va dire, space. Donc, les gens qui pensent de l'extérieur que le milieu artistique c'est quelque chose de super beau, le strass, les paillettes et tout ça, c'est c'est assez marrant. Donc, moi j'ai croisé tellement de langues pendues dans ce milieu, rencontré des personnes sérieuses,
tendu. Alors j'ai attendu après personne. Même si je ne suis personne, tout ce temps perdu, je le prends sur ma personne. Et si mon tel sonne peu, c'est que ceux qui m'ont dit t'inquiète voulaient me crever les pneus. Peu sont ceux qui m'entendront crier au secours, toujours une roue de secours, dans le pire des cas, je cours. J'ai le cœur rempli de bons sentiments, mais dans ma tête une voix me dit d'agir, moi gentiment. Intimement convaincu qu'on me ment, mon vécu m'a appris à prendre les choses calmement. C'est pas le moment de péter les plombs, j'ai la clé, je vais réparer en resserrant les boulons. Moi j'ai des rêves en me couchant, je fais le même vœu, malheureusement au réveil je veux crever les yeux. Je me jette par la fête. Dans le rap français, je suis craint tel un justicier. Me justifier, hein, au moindre geste, on sait. Vois ce que ça fait, j'y mets juste un pied. Les requins de mes victimes en témoignent, manque-moi de respect. Un stylo dans la jugulaire en guise de pieux. Je m'éloigne d'une prière, m'excuse auprès de Dieu. Moi je n'ai Dieu que pour ma zig magique. Canalise ma haine, y'a qu'à voir mes yeux. Assassin de MC, même si le faux faux, soi-disant artiste rap, slam ou RB. Si je dois mourir, je le ferai avec les ovaires. Avant de partir, frère, corps, quoi faire un film d'horreur. Redorer le blason du KOAD, pied ancré dans le ciment, quoi mettre KO en un V. Ce sera corps quand j'aspirerai encore, j'aspire à un monde meilleur, l'encre en guise le décor. Mais chut, temps de faire le ménage, mon art à manège, plus de respect malgré mon âge. Ma veste pas réversible. Je donnerai tout ce que j'ai. Cette vie, tout ce que j'aime. La force allie tout ce qui me gêne. Sachez tout ce que je hais. Qu'on y touche comme une tache sur une feuille blanche. Moi, les mots, je les couche. Ma bouche, un véritable haut-parleur inimitable. Pour faire taire les beaux parleurs, je squatte le stud. Pour moi, c'est pas l'heure. Mon skull arrive, on voit si juste une lumeur. Les rumeurs, je m'en fous. Rien des ragots, les dires des rageux dans le dos. Peu courageux. Je retiens la leçon, depuis le début dans ton jeu, la voix tu connais le nom. Moi je voudrais vous dire un truc, c'est qu'il m'est arrivé plein de galères et tout ça, mais à chaque fois que je vois ce petit bonhomme, j'ai un sourire de fou sur le visage. Il est trop terrible. Et moi, là, pour terminer un petit peu là, ce moment, voilà, ça me fait plaisir d'être là ce soir avec du monde. Ça fait un bout de temps que je suis pas monté sur scène, parce que je suis en train de préparer un deuxième album. Et comme ça me fait plaisir d'être là, je voudrais partager avec vous un truc qui me tient à cœur. C'est mon plus beau sourire. Merci, Christian.